Carl Simon Baker, je suis directeur de la MEP, Maison Européenne de la Photographie. Je suis heureux de présenter un livre Owen Wam Photographs qui a été fait par RVB Books pour l'exposition Owen Wam à la MEP avec un artiste pas énormément connu dans le monde de la photographie mais qui a quand même fait énormément de photographies pendant sa carrière. Et en fait, c'est le premier livre qui rassemble toutes les photos de Owen Wam. Pour la première fois, il a exposé la plupart de ses photos des vieux tirages, des vintage, les choses qu'il a gardées depuis longtemps, qu'il n'a jamais exposées. Dans le livre, il y a en fait les œuvres originales de Owen Wam et aussi tous les collages que Owen a fait pour l'exposition. Alors, le livre Owen Wam Photographs, on voit bien que ça regroupe toutes ses photos, le début de sa carrière jusqu'à le présent. Et là, on commence avec les collages que Owen a fait de la base de ces tirages vintage. En fait, c'est les vieux tirages dans lesquels il a retravaillé pour faire les collages. Et ça, il commence très sculpture, mais très vite, il passe vers quelque chose qui est beaucoup plus conceptuel et beaucoup plus photographique. Là, il a fait les sculptures avec la poussière dans laquelle il a mis la poussière autour d'un objet et en a enlevé. Mais la seule trace qui reste, c'est les photographies. Il a aussi travaillé avec les vêtements. Il a demandé aux autres de faire les performances, les gestes sculpturaux avec les vêtements. Et là, on voit que c'est les prises d'écran, c'est la base d'une vidéo qu'il a photographiée. Aussi, les premières œuvres qu'il a faites en publicité, c'est les publicités pour les marques de vêtements, par exemple, en Austrie. Et puis, les œuvres qui sont bien connues chez Owen Wam, c'est les choses sur la sculpture de forme. Par exemple, Me Fat ou Jacob Fat, c'est dans lequel ils ajoutent les vêtements pour rassembler quelqu'un qui est plus gros que l'autre. Mais en fait, c'est le même monsieur. Et on voit, par exemple, les séries très bien connues de Owen Wam comme Instructions for Idleness, dans lesquelles lui, il a utilisé la photographie pour les performances lui-même. C'est lui qui a fait les performances et lui, il fait ses propres photos. Et à partir de cette collaboration que Owen a fait avec RVB Books pour le catalogue à la MEP, ils ont fait aussi un super joli livre d'artiste qui s'appelle Self-Portrait as 47 Pickles, c'est cornichon en français. Et ça, c'est une sorte de bonus qui a fait RVB, qui regroupe toutes les photos des sculptures cornichons qui a fait Owen Wam. Et on voit bien que Owen Wam, en fait, il fait toujours les œuvres d'art avec les objets quotidiens, avec les objets de base pauvres, mais dans lesquels il a arrivé à faire les vraies œuvres sculptures.